Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, je suis Cindy. Dans cette vidéo, nous allons nous entraîner à écouter des conversations en français. Tu vas pouvoir tester ton niveau d'écoute. Ne t'inquiète pas, ne te frustre pas. Nous allons répéter plusieurs fois les phrases. Si tu aimes cette vidéo, abonne-toi et partage la vidéo. Allez, c'est parti pour la leçon. J'ai 32 ans. Je vis toujours chez mes parents parce que louer un appart à Paris, c'est hors de prix. J'ai 32 ans. Je vis toujours chez mes parents parce que louer un appart à Paris, c'est hors de prix. J'ai 32 ans. Je vis toujours chez mes parents parce que louer un appart à Paris, c'est hors de prix. J'ai 32 ans. Je vis toujours chez mes parents parce que louer un appart à Paris, c'est hors de prix. J'ai 32 ans. Je vis toujours chez mes parents parce que louer un appart à Paris, c'est hors de prix. J'ai 32 ans. Je vis toujours chez mes parents parce que louer un appart à Paris, c'est hors de prix. Oui, je suis libre samedi soir. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, je suis libre samedi soir. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, je suis libre samedi soir. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, je suis libre samedi soir. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, je suis libre samedi soir. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, je suis libre samedi soir. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oh là là, tes cheveux ont poussé, il va falloir penser à aller chez le coiffeur. Oh là là, tes cheveux ont poussé, il va falloir penser à aller chez le coiffeur. Oh là là, tes cheveux ont poussé, il va falloir penser à aller chez le coiffeur. Oh là là, tes cheveux ont poussé, il va falloir penser à aller chez le coiffeur. Oh là là, tes cheveux ont poussé, il va falloir penser à aller chez le coiffeur. Oh là là, tes cheveux ont poussé, il va falloir penser à aller chez le coiffeur. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Tant pis, ça me reviendra plus tard. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Tant pis, ça me reviendra plus tard. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Tant pis, ça me reviendra plus tard. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Tant pis, ça me reviendra plus tard. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Tant pis, ça me reviendra plus tard. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Tant pis, ça me reviendra plus tard. J'adore regarder les vitrines des grands magasins de Paris. Elles sont vraiment magnifiques au moment de Noël. J'adore regarder les vitrines des grands magasins de Paris. Elles sont vraiment magnifiques au moment de Noël. J'adore regarder les vitrines des grands magasins de Paris. Elles sont vraiment magnifiques au moment de Noël. J'adore regarder les vitrines des grands magasins de Paris. Elles sont vraiment magnifiques au moment de Noël. J'adore regarder les vitrines des grands magasins de Paris. Elles sont vraiment magnifiques au moment de Noël. J'adore regarder les vitrines des grands magasins de Paris. Elles sont vraiment magnifiques au moment de Noël.
Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Je me suis penché pour attraper quelque chose qui était tombé par terre, mais je suis tombé du canapé et je me suis cassé le poignet. Je me suis penché pour attraper quelque chose qui était tombé par terre, mais je suis tombé du canapé et je me suis cassé le poignet. Je me suis penché pour attraper quelque chose qui était tombé par terre, mais je suis tombé du canapé et je me suis cassé le poignet. Je me suis penché pour attraper quelque chose qui était tombé par terre, mais je suis tombé du canapé et je me suis cassé le poignet. Je me suis penché pour attraper quelque chose qui était tombé par terre, mais je suis tombé du canapé et je me suis cassé le poignet. Je me suis penché pour attraper quelque chose qui était tombé par terre, mais je suis tombé du canapé et je me suis cassé le poignet. En fait, on est arrivé en retard à cause de la grève. Il y avait des embouteillages et on a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour arriver. En fait, on est arrivé en retard à cause de la grève. Il y avait des embouteillages et on a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour arriver. En fait, on est arrivé en retard à cause de la grève. Il y avait des embouteillages et on a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour arriver. En fait, on est arrivé en retard à cause de la grève. Il y avait des embouteillages et on a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour arriver. En fait, on est arrivé en retard à cause de la grève. Il y avait des embouteillages et on a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour arriver. En fait, on est arrivé en retard à cause de la grève. Il y avait des embouteillages et on a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour arriver. Ma mère et moi avions une bien meilleure relation avant qu'il n'entre dans nos vies. Ma mère et moi avions une bien meilleure relation avant qu'il n'entre dans nos vies. Ma mère et moi avions une bien meilleure relation avant qu'il n'entre dans nos vies. Ma mère et moi avions une bien meilleure relation avant qu'il n'entre dans nos vies. Ma mère et moi avions une bien meilleure relation avant qu'il n'entre dans nos vies. Ma mère et moi avions une bien meilleure relation avant qu'il n'entre dans nos vies. Salut Patricia, quoi de neuf? Je t'appelle pour te raconter ce que nous venons d'apprendre. Tu ne vas pas me croire! Salut Patricia, quoi de neuf? Je t'appelle pour te raconter ce que nous venons d'apprendre. Tu ne vas pas me croire! Salut Patricia, quoi de neuf? Je t'appelle pour te raconter ce que nous venons d'apprendre. Tu ne vas pas me croire! Salut Patricia, quoi de neuf? Je t'appelle pour te raconter ce que nous venons d'apprendre. Tu ne vas pas me croire! Salut Patricia, quoi de neuf? Je t'appelle pour te raconter ce que nous venons d'apprendre. Tu ne vas pas me croire!
Salut Patricia, quoi de neuf? Je t'appelle pour te raconter ce que nous venons d'apprendre. Tu ne vas pas me croire! Tu as vu mon nouveau manteau? Je l'ai acheté en promo ce week-end. Tu as vu mon nouveau manteau? Je l'ai acheté en promo ce week-end. Tu as vu mon nouveau manteau? Je l'ai acheté en promo ce week-end. Tu as vu mon nouveau manteau? Je l'ai acheté en promo ce week-end. Tu as vu mon nouveau manteau? Je l'ai acheté en promo ce week-end. Tu as vu mon nouveau manteau? Je l'ai acheté en promo ce week-end. L'année dernière, je suis partie à l'étranger pour étudier. Maintenant, j'ai trouvé un poste à Lyon et ça se passe plutôt bien. L'année dernière, je suis partie à l'étranger pour étudier. Maintenant, j'ai trouvé un poste à Lyon et ça se passe plutôt bien. L'année dernière, je suis partie à l'étranger pour étudier. Maintenant, j'ai trouvé un poste à Lyon et ça se passe plutôt bien. L'année dernière, je suis partie à l'étranger pour étudier. Maintenant, j'ai trouvé un poste à Lyon et ça se passe plutôt bien. L'année dernière, je suis partie à l'étranger pour étudier. Maintenant, j'ai trouvé un poste à Lyon et ça se passe plutôt bien. L'année dernière, je suis partie à l'étranger pour étudier. Maintenant, j'ai trouvé un poste à Lyon et ça se passe plutôt bien. Peut-être qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. 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 Ça te dit d'aller au cinéma vendredi soir? J'ai deux entrées pour voir le nouveau film dont tout le monde parle. Ça te dit d'aller au cinéma vendredi soir? J'ai deux entrées pour voir le nouveau film dont tout le monde parle. Ça te dit d'aller au cinéma vendredi soir? J'ai deux entrées pour voir le nouveau film dont tout le monde parle. Ça te dit d'aller au cinéma vendredi soir? J'ai deux entrées pour voir le nouveau film dont tout le monde parle. Ça te dit d'aller au cinéma vendredi soir? J'ai deux entrées pour voir le nouveau film dont tout le monde parle. Ça te dit d'aller au cinéma vendredi soir? J'ai deux entrées pour voir le nouveau film dont tout le monde parle. Mon père avait 25 ans quand je suis né et ma mère en avait 21. Mon père avait 25 ans quand je suis né et ma mère en avait 21. Mon père avait 25 ans quand je suis né et ma mère en avait 21. Mon père avait 25 ans quand je suis né et ma mère en avait 21. Mon père avait 25 ans quand je suis né et ma mère en avait 21. Mon père avait 25 ans quand je suis né et ma mère en avait 21. C'était super, j'ai vraiment adoré.
et je vous recommande d'aller le voir. Je suis sûre que ça vous plaira aussi. C'était super, j'ai vraiment adoré, et je vous recommande d'aller le voir. Je suis sûre que ça vous plaira aussi. C'était super, j'ai vraiment adoré, et je vous recommande d'aller le voir. Je suis sûre que ça vous plaira aussi. C'était super, j'ai vraiment adoré, et je vous recommande d'aller le voir. Je suis sûre que ça vous plaira aussi. C'était super, j'ai vraiment adoré, et je vous recommande d'aller le voir. Je suis sûre que ça vous plaira aussi. C'était super, j'ai vraiment adoré, et je vous recommande d'aller le voir. Je suis sûre que ça vous plaira aussi. Les logements sont très chers ici. Tout augmente, ça devient difficile. Les logements sont très chers ici. Tout augmente, ça devient difficile. Les logements sont très chers ici. Tout augmente, ça devient difficile. Les logements sont très chers ici. Tout augmente, ça devient difficile. Les logements sont très chers ici. Tout augmente, ça devient difficile. Les logements sont très chers ici. Tout augmente, ça devient difficile. Je préférerais y aller un autre jour. Je ne suis pas disponible ce jour-là, désolée. Je préférerais y aller un autre jour. Je ne suis pas disponible ce jour-là, désolée. Je préférerais y aller un autre jour. Je ne suis pas disponible ce jour-là, désolée. Je préférerais y aller un autre jour. Je ne suis pas disponible ce jour-là, désolée. Je préférerais y aller un autre jour. Je ne suis pas disponible ce jour-là, désolée. Je préférerais y aller un autre jour. Je ne suis pas disponible ce jour-là, désolée. Il fait froid aujourd'hui. J'aurais dû mettre mes gants et mon bonnet. Il fait froid aujourd'hui. J'aurais dû mettre mes gants et mon bonnet. Il fait froid aujourd'hui. J'aurais dû mettre mes gants et mon bonnet. Il fait froid aujourd'hui. J'aurais dû mettre mes gants et mon bonnet. Il fait froid aujourd'hui. J'aurais dû mettre mes gants et mon bonnet. Il fait froid aujourd'hui. J'aurais dû mettre mes gants et mon bonnet. Si j'avais su, je serais resté à la maison. Si j'avais su, je serais resté à la maison. Si j'avais su, je serais resté à la maison. Si j'avais su, je serais resté à la maison. Si j'avais su, je serais resté à la maison. Si j'avais su, je serais resté à la maison. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer avec ma sœur. On rigolait beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer avec ma sœur. On rigolait beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer avec ma sœur. On rigolait beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer avec ma sœur. On rigolait beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer avec ma sœur. On rigolait beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer avec ma sœur. On rigolait beaucoup.
Alors, comment s'est passée la leçon? Laisse-moi un petit commentaire pour me le dire. Si c'était difficile, je te conseille de revoir cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et aussi d'activer la petite clochette en bas, très important pour ne manquer aucune autre vidéo. À très bientôt, bisous à tous!